Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour tester le jeu. Enfin, depuis le temps qu'on attendait, la sortie du jeu de Fairy Tail Fierce Fighting. On peut enfin jouer, vous avez besoin d'un VPN et je vous mettrai le nom du jeu ou le lien pour pouvoir y jouer. Pour le moment, moi je peux y jouer que via le Play Store, hein. Du coup, NordVPN ou autre VPN, bien sûr. Vous vous connectez sur Malaisie et vous tapez Fairy Tail, vous allez pouvoir le trouver. L'image du jeu, c'est bien sûr ça. L'image du jeu, c'est bon, déjà avant de pouvoir tester le jeu. Voilà, ça donne à peu près ça. Ils ont fait pas mal de travaux, c'est pas mal, c'est pas mal, on kiffe. Ok. C'est un dragon avec des yeux violets et Natsu de dos, ok? Ok, c'est parti. Y a qu'un seul serveur, je pense que c'est une bêta. Est-ce que c'est le bon jeu? Pendant un instant, j'ai eu peur, hein. Pendant un instant, j'ai cru que c'était un jeu tour par tour. Faut juste que je bind mes touches. Il est mieux fait que au jeu auquel on a pu jouer la première fois. Il est plus beau. Ok. Ouais, ok. Il y a encore des frises. Il y a encore des frises. Oh, les frises qu'il y a. Ouais, c'est une accès anticipé, c'est pas pour rien. C'est bel et bien une bêta. Oula! Oh, ils ont fait fort! Très 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 joli, je kiffe. Oh là 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 là. Et là, je crois pas avoir les graphismes au max en plus, hein. Voilà, c'était sûr. C'était sûr contre lui. Ok, là, on switch de perso. Il y a un système d'esquive. Ok. Il est plus fluide que la première version auquel on l'avait joué il y a quelques mois en arrière. Bon, je pense pas que ce perso sera. Je pense pas que Natsu sera mon perso favori, les amis. Mad Gear. Je crois que lui s'appelait Mad Gear, un truc comme ça. Ok. J'imagine le manque de respect. Oh là là. Oh, le manque de respect si je m'appelais Naruto dans. Enfin. Dans le sens où. Voilà, on est dans Fairy Tail, quoi. Pas dans. Ok. Ah, incroyable quand même la qualité. Ils ont re bien travaillé le chara-design et la qualité. Je kiffe, hein. Yes, enfin! Oh les gars, vous savez pas comment je suis heureux. Ok, bon, les invocations n'ont pas changé. C'est du One Piece Burning Wheel tout craché. On a remarqué, on a remarqué. Ils auraient pu moins travailler cet aspect-là, mais bon, tranquille. Ok. Du coup, le petit, comment il s'appelle, Gray, faudra obligatoirement le drop vu comment il est stylé sa race. Le perso, il envoie du flow, hein? Il envoie du flow.
Il envoie un sacré flow. Ok, ouais, quand même, ils ont bien travaillé. Ils ont bien travaillé le chara-design. Il reste quelques petites retouches à faire au niveau du décor. Excepté si j'ai pas le jeu à fond. Et ce qui serait normal. C'est quoi ça? C'est la graphisme au max? Je pense que c'est ça qu'il faut mettre à droite. Y a pas un truc de trad ou quoi? Ok, y a que deux trucs. Ok, déjà le jeu réellement il est mieux fait. Il est largement mieux fait, plus fluide. Il reste quelques, comme j'ai dit là, il y a quelques instants, il reste quelques petites touches à retouches à faire plutôt. Mais est-ce qu'on peut payer? Parce que si on peut payer, dans ce cas-là, c'est une bel et bien une bêta ouverte. Il manque quelques voix. À la différence. Ok, là c'est qu'on a les voix. C'est qu'ils sont dans la version finale du jeu. Ok. Ah, depuis le temps que j'attendais ce jeu, c'est incroyable. C'est incredible game, quoi. C'est incroyable. Et... Vous n'avez pas les voix. Vous entendez ou pas? Augmenter juste ma voix, ok. Ok, très. Par contre, il commence à être bien fluide sur Nox là. Je prends plaisir. Ok, bon. Là, la qualité sur les persos est un peu meilleure. Faut que j'aille voir. Faut que j'aille voir quelque part. Pour voir s'il n'y a pas un autre système de graphisme pour pouvoir bien profiter. Ok, Lucie, ok. On va voir ce que t'as dans le ventre, même si on connaît déjà le gameplay. C'est moi où j'ai remarqué qu'il n'y a pas un système d'énergie ou de mana. Un peu débile en connaissant l'univers de Fairy Tail, quoi. C'était là où. Là, c'était le début de l'animé et où il fallait sauver Marco. Quand même. Hein. Ok. Bon, je pense qu'on va aller améliorer l'unité maintenant. Ah non, on va les récupérer. Ok. Lucy. Attachi. Lucy. Ok, bon. Ouais, c'est ça. Ok, il y a un système de cap level par... enfin, le niveau du compte. Le niveau du compte scale sur le niveau des persos. Ok. On peut pas nous laisser jouer, s'il vous plaît. On peut pas. On connaît les tutos, quoi. C'est pas notre premier jeu. Bon, je vais directement passer le tuto, les amis. On se retrouve directement après. À de suite. Je vous mets quand même cette petite scène parce qu'ils ont respecté les cutscenes. Par contre, vraiment, pour un jeu qui a mis plus de 9 mois à arriver, ils auraient dû quand même un petit peu améliorer. Mais on va pas râler, on va pas râler, on va pas râler. Ok. C'est bon, je peux... Ah, ben enfin.
On récupère la petite multi. S'il y a une multi. Ok, on peut tout récupérer, mais je pense bien c'est une. Je sais pas si c'est une bêta là. Parce qu'il y a écrit dans l'épaisseur que le jeu est en accès anticipé. 14 euros, on peut. Est-ce qu'on peut payer? Ok. On va pas mettre de l'argent de suite si on a la possibilité de payer parce que j'ai pas vérifié. Il faut que je rajoute ma carte et tout vu que c'est un nouveau compte Google. Mais on va voir. On va aller tout d'abord récupérer tout ça. Parce qu'on a une petite multi à faire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas de niveau pour la battre. Ah non, faut juste la jouer. Ok, bah si c'est juste ça. Ouais, c'est largement plus fluide qu'à la bêta quand même. Ok. Mais c'est pas un perso sur lequel j'ai invoqué. J'aime pas trop le gameplay, quoi. Ok. Je sais pas si vous entendez les voix là, j'ai le son à fond et j'ai pas l'impression. Ok. On va pouvoir aller invoquer. On va quand même récupérer. Ah, il y a une petite latence, je vais quitter le truc. Autant pour moi. Autant pour moi. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Ok. Est-ce que j'ai récupéré les trucs? Ok, j'ai récupéré. Est-ce qu'on peut. Ok, on peut invoquer. On peut toujours pas invoquer? Si, on peut invoquer. Faut faire 4 multi pour drop. C'est parti, hein. Est-ce que je drop sur la première multi? Est-ce que je le drop? Ok. Gadjil. Bon, on a fait Windy Gadjil, bon. Encore Windy. Nouveau perso, ok. C'est quoi l'animation pour les SSR du coup? Ok. Bon, c'était pas fameux. C'est pas fameux tout ça. On va s'arrêter pour là. On va aller farm ça en live, les amis. Et on se retrouve du coup dans quelques minutes ou dans quelques heures pour pouvoir jouer au jeu. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Et à plus tard. Ciao!